Je pense que c'est de la bonne cam ça, les garçons. Qu'est-ce que c'est On a reçu les balles de notre sponsor Pascal. Salut les amis. Salut à tous. Bienvenue sur William Max TV. Bienvenue dans son filet. Je suis ravi On a reçu les balles. Non, 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 non. Attends. Je qu vous Qu'est-ce que, que c'est qu -ce que Fais voir. Fais voir. Qu'est-ce que c'est Tiens. Qu -ce, c est, c est. Test ma biche. Tiens. Ah bah, Est-ce que vous après, voulez les des... coulisses de l'émission des... regarde. Alors déjà celle-là l'a abîmée. Bon, Pascal. Valides. Pascal, ça va pas du tout. Non mais ça c'est le transport. C'est le transport. C'est le transport. Et vous laissez mon Pascal tranquille Ah mais c'est des super balles. C'est des super balles. Mais vraiment, des super ah balles. Elles vont être dix fois plus rapides. Balles. La première chose qu'ont fait les garçons, parce qu'on vous dit tout dans l'émission, ils ont râlé. Ils ont râlé parce qu'ils fait « Ouais, Barry, c'est des super balles, ça va aller trop vite. »« Bah, toi, c'est sûr. Ah, » Donc, sûr. balles de supermarché, ils sont pas contents. « Ah, mais super moi, balles, adoré sont... tes balles. J'ai adoré tes balles. Bon, »« Mais moi, on adorait les anciennes balles. Je vois pas pourquoi tu veux changer. Hein. » Oh, quel menteur. Bref, merci beaucoup, Pascal. On t'embrasse très fort. Euh, merci, nouveau sponsor de l'émission. Merci, Pascal Lou. Merci, Pascal Lou. Salut à tous, hein, plus généralement. N'hésitez pas à envoyer des petits pouces pour nous donner de la force. Salut Juju, salut Benoît. Vous avez vu, ils vont oui. tous les deux très, très bien. Attends, bah. il demande combien il y a d'étoiles sur les balles. Ah oui, alors Il y, y a plusieurs marques. Tu vois, tu as, 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 as le calibre et tout ça aussi. Donc, euh, je ne sais pas. J'ai pas, il n'y a pas d'étoiles. Ah, ah si, pardon. Où, 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 Une, deux, trois, quatre, cinq, six. J'en ai six. Six étoiles sur les joules là. Ouais, il y a des corneaux. Corneaux Les corneaux Arrête, corneaux, c'est une des meilleures marques. Bah oui, oui, oui. Corneaux, mais corneaux, c'est deux funès. Bah oui, moi aussi, j'ai pensé à de funès. C'est un peu le Appelle-moi trompette aussi, je connais pas le corneau. Je sais bien que tu le connais pas, tu l'as jamais vu ce film-là. Moi, j'ai des balles d'Allemagne, là. Six, on a six, six étoiles sur les. Oh. Bon, eh, oh, eh. bon, bref, 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 émission bloc. spéciale Monte Carlo, les le amis. Le pouce est mis, Corentin. Le pouce émis, et eh bien Corentin, nous te remercions. Grâce à toi, l'émission va prendre une ampleur de dingue, je le sens. Le, le programme tout de suite, le daily mail pour ne rien manquer de l'actualité tennis. J2, le débrief. Oui, on va euh, revenir sur cette. Euh, journée monégasque, on a beaucoup de choses à dire. Et puis on continuera d'analyser les affiches du jour et notamment la Léchanton. site, si, si, passe. j'en ouais. un RFC 85. La team, je vous adore, vous me faites rire votre passion du avec... mais sans déconner, niveau expertise, oh. pronostic, tata. Alors d'accord, deux bons sur huit. Donc Baez qui perd contre Draper. Ok, on avait dit Draper. Attention, enfin, mais bon, parce que toi, tu avais deviné, bien sûr. McDonald qui perd contre Gakoff. Bien sûr, c'était une évidence. Euh, Lajovic qui perd contre Popirin, évident. Ramos qui perd contre, je trouve, évident. Match long Longuet, il y en a ouais. pas eu. Ça c'est moi qui ai dit ça. Merret a dit qu'il n'avait jamais joué un match aussi pourri de sa je vie. On ne voit pas justifier à chaque fois. Euh, non, non, mais à un moment. Non, mais c'est parce que voilà le, le but du jeu. Il faut que vous compreniez une chose, d'accord Vous faites ce que vous voulez. C'est que vous faites ce que vous voulez. Nous, on est là avec euh, nos certitudes, bien évidemment, parce qu'on en a par rapport à tous les matchs qu'on voit, par rapport à l'état de forme des mecs quand on les voit. Et là, on essaye de vous donner des indications. Et vous en faites ce que vous voulez. Voilà. D'accord hein Allez. Du mini-ping pour conclure, évidemment, hein, parce qu'on a besoin de se défouler souvent après l'émission. Ce sera Julien Varlet contre Benoît Mélin. Et oui, parce qu'on a besoin de tester ces nouvelles balles. Voilà, je n'ai pas le niveau, je le sais, je, je, je suis honnête pour les tester. Donc vous allez, vous, tester ces, ces nouvelles balles tous les deux. Oui Daily Mail Daily Mail. Ah c'est prêt. Bah non je suis pas prêt, je suis jamais prêt. Monsieur t'es prêt. Mais avec ce téléphone je suis jamais prêt. Mais si, t'es prêt Benoît. C'est un le téléphone. Sais. Moi j'aimais bien les téléphones avec le fil en tire bouchon en queue <laughs> en coup de cochon avec l'écouteur sur l'arrière. Vous avez pas connu ça bon, Quand même. La, le le boîtier avec, pas, avec le. Tu as connu bah, ça toi Chez quoi. ma grand-mère oui. <laughs> oh la vache! T'as connu ça, Juju Varlet? Non, non, attends, elle vient de me, vient de me traiter de grand-père, Non, mais non, non. Tu elle es vient. Non! Bah, t'es plus proche du grand-père que du père, donc. Euh... Je suis grand-père. Enfin, je suis pas grand-père ah, en la Non, 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 Sa fille, elle a, elle a 16 ans, 17 ans. Non, elle a 20 ans. Ah bon? Bah, ouais, oh, là, je suis en retard. D'accord. Bon, allez, on y va. Bon. Bon. Donc, papy, papy fait le Daily Mail. Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai. On ne parle pas du tout de la journée d'hier Mais si, de... mais oh, dans l'effet rétro. Ah, pardon, il y a l'effet rétro. <laughs> Donc, dans le Daily Mail. Alors, vous savez que je vous avais parlé de cette plainte qui avait été déposée au, au Parquet national financier par sept dirigeants ou anciens dirigeants de la Fédération française de tennis. Info. Qui d'ailleurs nous avait été révélé par Mediapart et RMC Sport. Alors il y avait des détournements bien publics là-dedans, de la corruption et machin, tout ce que vous voulez. Bon, donc, ça se poursuit cette histoire, puisqu'encore une fois, RMC Sport nous apprend que qu'Anticor, qui est une association anticorruption, a adressé, là, à la fin du mois de mars, toujours au Parquet national financier, un signalement faisant valoir que des lits de détournement de biens publics et de corruption avaient bel et bien été commis à la Fédération française de tennis. Donc autant vous dire que plus, bien évidemment, Roland Garros va arriver, plus tout ça va être monté en, en épingle pour que ça fasse du bruit. Donc, à un moment ou à un autre, moi, je me pose la question qu'entre le patinage artistique, le foot, le rugby, le CNOSF, maintenant le tennis, Peut-être qu'il faudrait revoir le fonctionnement de toutes ces, ces organisations d'associations sportives françaises. Parce que tu te rends compte quand même que ça part vite en couillasse, l'histoire. Euh, ouais, ce ne serait pas le en seul fait, organisme de pouvoir. T'as tout, hein, tout dit association. Hein. association, voilà. Ouais. Donc euh, tout ça va faire en sorte qu'on ne sait pas où ça peut aller, tout en vous rappelant bien sûr que la ministre des Sports était auparavant à la Fédération de Il ne faut pas oublier que potentiellement, en plus roland Garros arrive, on va déjà être quasiment dans la réélection, parce que l'élection des présidents de fédération, et là on parle tennis, mais des présidents dans la globalité, c'est post-JO. Donc dans un an, c'est quasiment. Bah les élections. Donc voilà, bon bref. C'est reparti, c'est passionnant tout ça. Et sinon, j'ai un petit quiz. Bah, j'ai que ça. Bah, euh, non, mais on est à Monte-Carlo. J'ai un petit quiz. Est-ce que vous connaissez Alissa Alisa Vous connaissez Alisa Non Non si je vous dis Alisa Medvedev, ça vous dit quelque chose Ah oui Bon, c'est la fille de d'Anil et de, et de Daria. Daria qui s'appelle maintenant Medvedeva. Vous savez que vous prenez le nom du, du mari puis vous mettez un à la. puisque c'est féminin. Donc tous les deux ont une fille qui va avoir six mois le, le 14 là, Safina, le 14 avril. Safina n'est pas la femme de Safina, c'est sa sœur. Oui. Parce que tu dis, on prend le nom de la femme. Ah pardon. Non, non, mais je. Euh... Six mois déjà Six mois. Elle aura six mois. Magnifique. Qui est le parrain d'Aliza. Ah je sais, je, je t'ai vu. tu nous l'as dit ce matin dans je le je groupe. Je l'ai aussi en plus. Donc. Bah, oui. bah c'est oh. toi qui donne les infos. J'ai donné quand <laughs> Mais dans le groupe. Ah merde. Ah bah Donc bon. moi je l'ai lu hier aussi. Ah bon, tu l'as lu le finalement. Ah, tu as, as ouvert si... les messages du groupe. Je sais pas si vous avez vu la photo. Je l'ai lu hier. Il m'a <laughs> envoyé ce matin. Ah gare Je sais pas si vous avez vu la photo euh, euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a été par, euh, officielle on va dire sur Twitter avec Daniel et sa femme et Andrei et à côté de lui, et tout ça, donc qui est cette femme à côté d'André Ça y est, c'est sa chérie, on a sa chérie, tout ça. Ils sont à un mariage, c'est le mariage d'André. Non, c'est juste le fait que tout d'un coup, enfin tout d'un coup, Daniel Medvedev a demandé à André Rublev de devenir le, le parrain de sa fille. Donc il y a eu une cérémonie officielle, et en fait, ce n'est pas la copine d'André qui est à côté, c'est une des copines de la femme de Daniel. C'est la marraine c'est la marraine! Non. Ah là. Ben Voilà! C'est bon tout. Après, après si. par un marraine, parfois. Euh... Écoute, on ne sait pas, on va suivre ça. Ah, mais, <laughs> mais ça va pas !»« Allez, on va, on va débriefer la journée d'hier. Nous, on va se reconcentrer sur le tennis et faire rétro. <music> journée que nous qualifierons de surprenante. Petit coup de cœur, petite déception. Comment Alors, nous, on s'était quittés sur. On avait eu la calife de Bonzi ensemble, on avait eu Vavrinka, c'est arrivé après l'émission, la calife de Stan Vavrinka, j'étais bien contente. On a eu la sortie de, de Cameron Nori en plein pendant l'émission. Donc, après, comment s'est passée votre journée J'imagine que vous avez été très surpris de la victoire de Jack Draper. Énorme Petit. match. De Draper Petit, je n'ai même fou, moi, de Draper, moi, c'est Petit, c'est Richie, oh. On avait vendu Richie <laughs> Richie l'a pas vu Bah, si, le non, deuxième non, jeu, de... qui a Attends, duré 20 temps. minutes. Non, ouais, non, non. mais Tim a sorti le match de sa saison pour l'instant. Hein. Après, je suis, je suis mitigé. Est-ce que, Moi aussi. effectivement, Tim a mis... Alors, je commence par Richie, après, ouais, sur, sur ta question, Marie. Euh, Tim a mis un impact physique, et c'est ce que je disais, et je me suis fait chambrer sur, un, sur Twitter, je suis tout à fait d'accord. Je disais que l'aspect tennis était peut-être du côté de Richie et l'aspect physique, mais tout de suite, euh, Tim l'a emmené dans un combat physique. Alors, ce qui me gêne un peu, c'est que Richie, il a quand même tendance, il joue loin... Et à un moment donné, il aurait peut-être pu tenter un peu plus la mortier, un peu plus de variation, et il s'est fait bloquer dans le système de, de jeu de team, qui a mis un impact monstrueux, qui lui a marché dessus. Parce qu'à aucun moment, quasiment, Richie, il a fait mal à, à dominique Team. Mais Team, pour moi, ouais. a fait un gros match. Ah, oui. Maintenant, c'est ce qu'il a fait un petit peu à est Estoril. Je suis hyper curieux du match de Rune. Parce que c'est vraiment là, même si Rune, c'est son premier tournoi sur Terre, il revient. Rune, Rune. c'est vraiment... Je pense un gros test tennistique ah bah, pour Tim. Oui. Si même que que Roune joue bien ou pas, mais on en reviendra. Mais en tout cas, voilà. Je... Dommage qu'il ait pas eu plus de matchs et peut-être un peu plus de <coughs> voilà de créativité du côté de Richard. Après maintenant la balle est lourde de Tim. Je ne veux pas non plus critiquer Richie, mais non. il s'est fait un peu englué par le système de jeu de Tim. C'est un classique euh, Gasquet Nadal, quoi. Mm. Voilà, il s'est enflé par le, le lift de dingue de ces dingues de ces mecs et il n'arrive pas à la contrôler. Et comme il envoie quasiment à part quelques petites variations d'amorti, euh, comme il envoie tout le temps la même balle et que les mecs qui cavalent sur leur même ligne là, à quoi, un mètre derrière la ligne de fond de cours, bah eux, ils sont, c'est comme l'entraînement entraînent. Ah ouais, ça ils peuvent le faire pas pendant du tout 18 une heures. Une prestation de team comme ça, vu le dernier match qu'il nous avait fait, mais tout le temps la même pas balle, Réussi. Non, tu sais, non c'est pourquoi la, tu sais la pourquoi balle aussi. de Ritchie, ne gêne pas. Moi, je pense aussi que team f -f -f T'as l'impression qu'il est monstrueux, parce qu'il met tellement un impact physique. Il crie, il a une, tu vois, il place les appuis. T'as l'impression qu'il dégage, effectivement, une force monstrueuse. Mais quand tu regardes, parce que je regardais, il perd sur Montero en Amérique du Sud. Il ne fait pas des gros matchs. Il perd parce que, Alice Mais sur des mecs qui arrivent à lui mettre un peu cet impact mmh. physique que Richard n'a pas réussi à lui mettre. Vrai. Mais bon, voilà. Bon mais tant mieux, tant, tant mieux. C'était un bon match. Et sérieux, je suis cru, curieux du, du team Rune. Mais j'aurais bien voulu voir la suite de ce match-là si Gasquet avait gagné ce deuxième jeu là du premier set qui a duré, je sais plus, 18 ou 20 minutes, je ne sais plus, qui a eu, où il a eu je sais pas combien de possibilités de gagner son jeu. Et puis boum, break de team, tu as l'impression que ça lui a foutu un coup. Ouais, mais c'est là où c'est dingue, c'est que tu dis, potentiellement, est-ce qu'un deuxième jeu de match peut autant te mettre sous, ouais. sous l'eau eh, mais après, tu il n'arrêtait pas de se toucher le dos et tout. Je pense que, je je pense que le Richie, malheureusement, il a commencé très fort. Et écoutez, là... tu m'avais dit qu'il s'était reposé écoutez eh, ma oui, ouais. oui, oui. tu m'avais dit qu'il s'était reposé Richie. Richy eh, mais tu peux pas faire la sieste avec ces, ces merdes de cigales alors, putez, ça, ça chante tout le temps Chut. tu peux pas bon en tout cas bravo à Dominique Tim pour sa victoire et bravo si vous... à Draper je voulais en parler parce que vraiment alors on n'avait pas forcément de référence mm. <coughs> sur terre et il a fait un énorme match sauve-moi suis. Draper ouais ouais, ouais. Il a... <coughs> je pensais sincèrement voilà, par rapport à son niveau de jeu par rapport à la qualité de jeu de, de, de base et c'est sa surface la terre mais il s'est fait un peu surprendre par un, effectivement, un bon drapeur qui a pris la. Tu veux de l'eau Alors attendez. Désolé. J'ai un espèce de tigre dans la gorge. Là. Mais il a, il, a pris un peu de, il a pris un peu de vitesse base qui lui a besoin de temps, un peu comme les Schwarzman. Il s'est fait un peu surprendre. C'est pas fait. Il s'est bon, fait surprendre par. Même si dans le deuxième ça commence à s'équilibrer un petit peu, il s'est fait surprendre par les, les balles un peu agressives de, de drapeur qui a, fait un, qui a fait un très bon match. Voilà, j'étais. Déçu par le niveau de jeu de Baez, mais surpris par un, par un rappeur. Ouais, mais. Ouais. ouais. Moi, j'aime bien hein, ces mecs qui. Euh, j'adore, c'est la terre battue, j'adore. Hein, c'est ce qu'on a vu avec Hubert euh, catch dimanche, qui avait sauvé une balle de match sur les trois, trois tie breaks qu'il fait contre Géré Ça dure trois heures et demie, c'est extraordinaire. Euh, C'est comme le Mounard qui bat Hussler alors qu'il est mené 4-1 dans le troisième et dernier set, puis finalement il <coughs> réussit à gagner le Mounier, toujours dans la douleur euh, au bout de 3 heures. Agout qui bat Krajinovic en sauvant une balle de match, pareil, tu vois tu... on est sur la terre battue, on est sur... Les... On y est quoi. Vavrinka qui bat Grigspour, pareil, sixième balle de match, 2h30, il est fracassé de fatigue, on ne peut plus. Euh, Von... Botich, mon Botich, l'escargot, qui bat Fuxovitch en sauvant deux balles de match, pareil, match de dingue. On y est, mais encore une fois, tu te rends compte que, enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a plus de spécialistes de terre battue. J'ai l'impression que le Nadal, il a tellement défoncé les mecs sur terre qu'il y en a plus un qui y croit. Enfin, voilà, on n'y arrivera jamais entre Nadal et le jeu. Oui, mais le Titi passe. D'accord, le Titi passe, mais Titi D'accord, il gagne Monte Carlo sur des tours. Pour moi, Monte Carlo, c'est presque des tournois de préparation pour les mecs qui veulent aller gagner Roland Garros, quoi, tu vois. Donc, il gagne deux fois. Mais il gagne pas Rome, il gagne pas Madrid, il gagne pas Roland-Garros. Il fait finale partout, hein, ouais. attention, hein, Mais il ne gagne pas. Quand tu vas jouer contre vraiment les lourds, lourds, lourds de la Terre, tu n'y arrives pas. Et pour moi, un Baez, c'est comme un Diego. Ça cavale, ça renvoie, c'est pur terrien, parce qu'ils ont ça dans le biberon depuis qu'ils sont, ils sont nés. Mais il n'y a, a, a rien dans leur lift. Après, il y a aussi. Baez a été bon, quand tu regardes la saison passée, mais sur les tournois sud-américains. Quand il arrivait sur euh, Madrid-Rome, il n'a pas été érolant il n'a pas non plus été extraordinaire. Donc, sur des, 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 des tournois entre un peu plus faibles, il s'en sort plus que quand on arrive sur le Masters, Masters 1000, pardon, où tout de suite il faut rentrer dans le dur. Regarde, mais... regarde Draper, sans rien. Avec son, avec, avec son gros service de gaucher, il sauve 11 balles de break sur 12. Il a quasiment eu des balles de break, quasi à chaque fois le après, après, gaucher. Hein, donc oui, euh, bah, mais, oui non, mais toujours, oui. d'accord, mais tu as l'impression que tu mets une grosse patate au service. Et pisou quoi Regarde, là, là Zverev, il, il se fait enfler par... Euh, 6-3-2-2. Euh, ouais. Par euh, Bublik. Non, non, non. Là, c'est Hubert Sonego, pardon. Mais, mais euh, il, a perdu, mais, six mais six il a perdu le premier set. Mais il a perdu le premier set, Zverev. Il passe quasiment pas une première. Euh, il est il même mène pas... 3-0 dans le deuxième, là. Oui, mais pe peut-être qu'il a réussi à passer ses premières. Il n'arrivait plus à passer ses premières. Hugo Humbert, qui réussit réussi à gagner un premier set contre Sonego, pareil, Sonego, il n'arrive pas à passer une première. T'as l'impression qu'aujourd'hui, on est... on... là, on n'est on pas en train de jouer à la terre battue, en fait. À part Vavrika, ouais, voilà. si pas est... oui, voilà. n'est pas passé. Non, mais tu vois, on joue pas sur Terre, quoi. <laughs> ouais, ouais. On n'y est pas encore. On n'est pas encore dans, ces... dans cette construction qui va faire en sorte que, oui, la Terre battue t'offre tout ça, quoi. On a aussi eu la victoire de gakov quand même, face à McDonald's, de 7 1 On a eu la victoire de Schwartzmann face à Goffin, le demi-nord dont vous parliez, Murray, qui n'était pas... C'est pas.. Pas... Gakoff, en revanche, là... Je... Schwarzman, c'était... Euh, Goffin, c'était... Pardon, on revient sur Gakoff, si tu veux. Ga... Ga... Vous, je... Vous la connaissez, l'histoire de, de Gakoff, encore J'ai lu, ouais, un petit peu, mais tu peux la raconter, parce que tout le bah, monde elle, pas elle, pas elle. Elle, Bah, le, Voilà, le mec euh, a fait... Euh... C'est une karatsef, hein le Gakoff. Il a fait, je crois, 29 ou 30 finales sur le circuit futur. Euh, il joue 80, plus de 80 de ses matchs sur terre battue depuis qu'il est pro. Et il joue depuis longtemps hein sur le circuit pro depuis à peu près 2014, il est arrivé comme tous les Russes en voulant être pro. C'est le Marat Safin en fait qui a inventé ça. Il est parti en Espagne, il a fait, euh, il est arrivé quand il avait je crois euh, euh, 14 balais ou un truc comme ça. Il en a 26 aujourd'hui. Là, il vit, il s'entraîne à Barcelone avec toute une team autour de lui. Bien sûr, le gars a pas les moyens de, de, de voyager. Et puis là, il y a au début du mois d'avril, pu le mec il gagne son premier titre challenger. Girone, en Espagne, non. pas loin de chez C'est la, hein. hein la semaine passée. C'est la semaine passée. Il y a 15 jours. Et, et, ouais. et, et, et il passe euh, et il gagne son challenger. Putain, hein, le mec, il se dit, waouh, énorme. Donc là, déjà, hop, il se fait sa petite entrée dans le top 200. Tu te dis, euh, putain, bon, voyons. Mais le mec, il a, tu vois, Monte-Carlo, il n'y pense même pas. Sauf qu'il <laughs> est en Espagne et il voit les forfaits, 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 forfaits. Et surtout, ses entraîneurs regardent les tableaux à Houston, à Estoril, à Marrakech et commence à lui dire, dis donc, sur la liste là des, 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 des mecs qui vont jouer les qualifs à Monte-Carlo, il y a tous ces mecs-là, les Honfman, les Alice, les Carbales Baena, les Alex Muller, ils sont en qualif à Monte-Carlo, donc ces mecs-là, ils vont pas pouvoir y aller, t'es combien toi sur ta liste Va te signer, va signer Donc vendredi soir, il appelle Monte-Carlo, parce que si tous ces mecs-là passaient en pour jouer oui. le samedi, eh ben les places se libéraient. Mais encore faut-il avoir signé pour ta feuille de présence. Il oui, faut avoir le temps d'arriver. Et avoir le temps, ben, il est à Barcelone, il a le temps. Donc il appelle le tournoi vendredi soir, il dit, eh, ah, bah, 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 bah. je suis là, hein. moi, je signe la feuille, je suis là, les gars, s'ils si, si ne peuvent pas, moi je... Et donc, s'il y en avait un qui perdait son match sur les quatre que j'ai cités là, il était baisé, puisque c'était le quatrième remplaçant. Les quatre passes pour jouer le samedi en demi-finale, pim, il y va putain, j'ai pas d'avion » 8h18, il prend le premier avion de Barcelone pour arriver à Nice. Non, pardon, il arrive à Nice à 8h18. 15h30, il joue contre Manarino son premier tour de qualif dans un Masters énorme. 1000. Il a jamais joué à un Masters 1000 de sa vie. Hein. Et là, le mec, il bat Manarino, Lucas Vanash, et premier tour, McDonald's. Il a jamais battu un top 60 de sa vie. Et il va jouer ouais, contre, euh, contre coup... Djokovic, qui pour lui est bien sûr le joueur qui, qui, bah, qui l'adore qui kiffe qui l'a vu jouer partout dans tous les matchs et qui se dit je vais jouer contre Novak Djokovic l'histoire est trop belle c'est dingue j'adore c'est génial encore une fois c'est un truc de ouf non, mais après comme quoi parfois tu, tu peux te préparer comme un malade pour un tournoi et question justement peu... est-ce qu'il peut euh... pas nous faire une karatsev ce dingue allez savoir parce que c est, c est, encore une fois hein, c'est un gaucher c'est une grande tige un de plus d'un mètre 90 jeu très délié super à l'aise sur terre battue. Je vous rappelle que Djokovic à Monte Carlo, c'est pas beau depuis longtemps. Question quoi pour Julien. Euh, Est-ce que le choix de la surface peut se faire très tôt dans la formation ou on l'a subi dans sa carrière très, bah, très très jeune, t'apprends. Moi j'ai appris à jouer sur moquette. Et ce qui a fait tu que j'ai eu. Un... de la moquette. Non mais ce qui, ce qui a non, fait que j'ai eu. Un papy toi. <laughs> non, mais ce qui a fait que j'ai eu un revers humain. Après effectivement, le fait que mes parents déménagent, tout de suite je me suis entraîné sur terre battue. Au début, mais oui, ça dépend d'où tu commences alors, et d'où tu... Quand tu commences, oui, mais après, à un, un moment, il faut que tu te... Je pense que pour moi, la meilleure école reste quand même la terre battue. Oui, non, mais t'es marrant, toi, t'es européen, là, c'est facile. T'es indien, t'es chinois, oui, t'es américain, je te... tu non, non, pas non, sur non, terre. Non, mais je suis tout à fait d'accord, mais je pense que la meilleure école, pour moi, ça reste la terre battue. Maintenant, tu apprends à jouer sur la surface. que Regarde les Américains. Qui Qu est les... dispo, entre mais dit, regarde mais même Ben Chiton. De... Ben Chiton est rentré dans le top 100. Il est 40 mondial et j'ai mis, mis un pied sur terre battue. Donc, tu peux y arriver. Après, ça commence à être différent. Mais effectivement, quand tu es très jeune, tu subis un peu le lieu où tu es et tu apprends comme... Arnaud nous demande si tu étais un terrien. Moi, j'aimais bien toutes les surfaces. J'aimais bien... Je n'avais pas de surface particulière. Il aime bien plonger sur le gazon. Le plus beau, beau c'est le gazon. Le plus beau, quand il joue... Je te fais juste une petite... C'est petite, euh, 2002, les qualifs de wim ne se jouent pas Oui mais elles se jouent à Rompton. Et en fait, normalement, quand tu es joueur de calif, tu n'as pas le droit de jouer à un Ranguy Park, le, le, le lieu où il y a les cours d'entraînement. Et nous, on arrive à se avec mon pote qui s'appelle Jean-Michel Pécry, à l'époque, deux, trois jours avant, pour essayer de... On avait fait le Queens, et on arrive, tac, tac, on arrive à rentrer. Et on joue à côté de nous, c'est 2002. Ouais, 2002. Sampras Corda s'entraîne. Mais le, le gazon, mais étant. Peut-être, Corda. Mais oui, Peut-être, ouais, T'as envie, 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 envie de dormir sur, sur le ouais. cours, quoi. Et puis on joue, puis nous, bah, on plonge, on se roule et tout ça. Puis à la fin de l'entraînement, Corda et presse ça. Mais vous faites, c'est quoi ce que vous faites là... Vous faites du cirque, <laughs> C'est le fait, cirque du soleil. On lui dit, mais on a tellement peu l'occasion de jouer bah sur ouais. le gazon que là, on en profite, mais comme des malades, on était vert de la tête aux pieds. Mais t'as envie de le manger, le gazon. Le gazon, quand il fait beau. C'est la plus belle des surfaces, oh. encore plus beau qu'une un, terre battue. Perlin nous dit « J'ai joué deux fois sur gazon, j'ai adoré ». Quelle chance Perlin, ouais, franchement c'est rare de top, pouvoir top, jouer top, top. Euh, sur gazon. Il faut aller à, à Biscarrosse où ils ont des gazons. Je ne sais pas où ils en ont. Euh... Biscarrosse ou Osgore, je sais plus. Ils l'ont toujours à l'ambassade de. Angleterre. On a joué une, trois fois avec Cédric purine là-bas, au bout de deux, trois jours il voulait plus nous voir. C'était tout dégueu après. Ah bah non, mais bah le gazon, mais... tu le flingues. Avec okay. les appuis et tout ça. Tu... Non, mais euh, les, les... <laughs> les diplomates, si tu veux, euh, ils, <laughs> ils t'habitent. Non, mais ils sont comme moi. Ils font, ils font 40, <laughs> ils font 40 mais non, mais kilos. Ils n'ont jamais joué, un... joué sur gazon. Ils vont pas l'habituer. Mais, mais, mais les deux dingues, là. Moi, joué... Ils ont labouré le truc. Joué... Non, non, j'ai joué. J'y suis allé deux fois. À l'époque, avec Cédric Pioline. À une époque, certains Français pouvaient avoir. Mais ils ont vite arrêté. Parce que, en fait, à la base, c'est le jardin. C'est le jardin de l'ambassade d'Angleterre. Et là, hop, il est tellement bien fait de ça. À un moment, ils mettent pendant la période de Wim » Ils mettent un petit filet, quelques lignes. Et euh, par chance, Duc Cédric avait fait finale à Wim, mais le truc, c'est qu'au bout de deux jours, le truc, il était labouré, quoi. On va ouais. finir les rétro, fin de la parenthèse, avec Tennis Loving qui nous dit, Julien, il voulait dire quoi sur Goffin, s'il vous plaît non, Oui, alors on a beaucoup de Belges Trist... qui nous regardent et qu qui nous ont trouvé très durs avec David Goffin hier. Oh, c'était ah bah... Tristoun. C'était Tristoun. c'était Ils nous que... ouais, euh... oui, disent, il, il revient de blessure, vous êtes dur. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. Après, c'est Tristoun parce qu'il revient de blessure, il a pas de rythme, premier match sur terre battue. C'est compliqué. Et puis il joue un Shortman qui recommence à trouver un peu, de, un peu de rythme. Et tu sens que sur les moments un petit peu importants, il fait la faute, il n'est pas là. Mais, mais ça va être très très dur pour David Goffin, même revenir top 50. Mais son objectif, c'est revenir top 30 fin d'année pour être tête de série. Mais David Goffin, c'est compliqué. C'est comme tout le monde. Le Covid l'a fusillé. 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 Et il revient de blessure, c'est pas que là. Hein. Il revient, Donc, il revient, puis, il revient, il revient. Je vais te dire un autre truc. Pour le Tristoun, euh, Andy Murray, pour moi, hier. N'avait pas sa place. Déjà, il ne devait ah ouais. pas jouer ce tournoi-là. Oui, oh, il était conscient, il l'a dit. Ah oui, mais il, a, mais il a totalement raison. Et tu regardes, j'ai commenté le match, il a pas la glissade, ah. il a pas non, il s'est fait marcher dessus. Tu sens que le mec, il n'était pas du tout prêt. C'était indéniable. Qui mourir il n'était pas prêt à jouer sur Terre. Bon. Mais je, je, je... On va à Montecarlo, les amis Je me dis que de toute façon, il frappe il, enfin, il, il y va parce qu'il a le classement. Mais... Ah, mais moi, pour moi, il fait, il fait oui, mais après, il décroche. Il arrête. Monte Carlo, on y va Il y a des matchs en live On va vous dire tout ce qui se passe, c'est parti, ok Alors, on en est où les garçons Apparemment, il y a 3-3 entre Humbert et Sonego dans le deuxième set. C'est ça, -0 parce que c'est un match Exactement. Il y a apparemment balle de break pour Dimitrov dans le deuxième set. Il menait 5-1, comme moi, ça. je vais quitté. Dimitrov. Il a pris le premier, Dimitrov. Dimitrov il y a gagné le premier, ouais. Euh, on est à 5 partout dans le deuxième set entre Lechka qui a pris le premier set et reçu Vori et Zverev, là 3-2 pour Zverev donc dans le deuxième set euh, Voilà pour les matchs en cours à regarder sur Winamax TV. Les amis, à suivre, à suivre, Fokina, finaliste l'an passé face à Karen Kachanov, tête de série 9, premier duel sur terre, l'Espagnol a toujours battu le Russe, la dernière fois Indian Wells cette année évidemment, 3-7 à chaque fois. Burkina qui, on le rappelle, perd contre Chekinato à Estoril. Il peut avoir un petit peu la pression, Davidovic. Il n'est pas Favot oh. et pourtant nos parieurs vont lui faire confiance. Il bah, y a des points à défendre, là, mon juge. N'y pense pas. Euh, non, bah, je pense pas. Je bah, quand pense même, pas. tu ne penses pas quand tu as des points à défendre Non, au non. contraire, je pense qu'il est content de revenir sur terre battue à Monte Carlo alors qu'il avait super bien joué. Les deux dernières années, il a bien joué. Une année, il l'abandonne en quart contre, euh, contre Tissipas. Et l'année passée, il joue bien. Moi, j'ai envie de te dire que... Nos parieurs vont sur l'Espagnol. Moi, j'ai envie de suivre peut-être les, les parieurs. Parce que, parce que le jeu de Kachanov, il va essayer de frapper fort, comme d'habitude. Alors, même s'il a très bien joué sur dur sur Miami, je me dis qu'avec un petit peu de vista... Ah, Agile, ah, il y a Fokina... attention physique de Fokina. Non, non. Non, non je pense qu'il doit, doit être plutôt bien, plutôt prêt. Non, moi, je partirais peut-être sur... Euh... Alors après, je me suis bien planté hier sur certains trucs. Moi, vrai, je vais sur je, enfin, je te tout. Ah ouais ah oui. Moi, un 98, je ne suis pas sûr de la victoire de Fokina, mais peut-être le 7 de Fokina. 7 un 98, ça peut être assez intéressant. Mais bon... Pourquoi je... le russe, Benoît Un que... 32, Fokina, les amis. Un 32. Parce qu'il a, a un tennis qui l'air de rien. <laughs> Putain, il va falloir lui, la contrôler, ça balle encore une fois. Et je trouve que sur les dernières années, il n'y était pas du tout. Il était en recherche de son meilleur niveau, qu'il avait atteint, vous le rappelez, donc en 2018, il y a une éternité. Et là, je trouve que ça se remet en place, il retrouve sa régularité, il est beaucoup mieux dans sa tronche. Lui aussi, pareil, le Covid, ça l'a complètement bloqué d'un coup. Et puis, tout d'un coup, ce mec-là est en train de retrouver ce tennis qui est d'une puissance phénoménale, on s'en rend même pas compte. Hein. Mais j'avoue que moi, Fokina, la pression quand même, je ne parle ah ouais. pas des points. Le, le point, ça, je, je pense que de toute façon, c'est l'avantage du tennis, c'est que toutes les semaines, tu peux les récupérer tes points. Mais bon, toujours est-il qu'il ne va pas non plus se retrouver 90e mondial. Hein. Mais toujours est-il que je pense que c'est la pression de retrouver cette ambiance, ces cours de se dire merde. Voilà, c'est bien joué. s'il ne joue pas très bien et un premier tour contre Kachanov, ouais, c'est pas cadeau. On hein. peut dire qu'il va falloir la contrôler la baba là. Et, 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 et dans la régularité, je trouve que Kachanov, là, sur les dernières semaines, nous a prouvé qu'il était redevenu très, très costaud. C'est pour ça que je dis, peut-être surprendre... Le sur 7, un 7 de Fokina. Mais effectivement, je suis Benoît sur la... Ces derniers temps, la régularité et les résultats sont quand même du côté de Kachanov. Donc finalement, on va basculer du côté russe sur ce plateau. Autre duel russo-espagnol, celui entre Rublev, tête de série 5, et Mounard. Pareil, première sur Terre. Ils non. sont joués deux fois, les deux fois en 2018. Rublev qui fait huitième l'an passé, vous vous souvenez, il perd contre Sinner et finale en 2021. On fait confiance, totale confiance à André Rublev, il est ah ouais. 1-19, alors vous mettez la ouais, photo. Il a la cadence, il a... C'est marrant, à Mounard, on n'y croit pas. A chaque fois, ben Mounard, c'est vraiment... Là, pour le coup, Non, mais pour ce genre d'exploit, on n'y croit jamais. quoi. Non, non, je pense parce qu'il a pas une balle qui fait assez mal. Il va batailler, il va s'accrocher, il va tout ce que tu veux, c'est un vrai terrien, mais il n'a pas le coup qui va venir gêner Rublev. Rublev va avoir le temps de poser ses frappes. C'est un peu comme Katchanov. Il va pouvoir frapper fort, se mettre en place. Non, non, je ne vois pas... Quand Benoît tape du poing sur la table. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que qu'ils sont en train de parler des Aïs, là, C'est j'ai vu qu'il les habite... Le mais, mais ils jouent sur quel cours, cours pas le... Ils sont sur le cours des princes. C'est pas le central, je crois que c'est le cours des princes. Ici, sur le cours des princes, je vous avoue que... Alors, Fokina encore pas trop, mais Katchanov sur le cours des princes euh, autant sur le central, Fokina, il aura, il aura de la place. Mais sur le cours des princes, putain, c'était quoi les cotes 1,80, euh, c'est quoi les cotes ah, Je te remets, je te remets. Non, non, mais là, il parle des Aces. Des Aces, parle... des Aces. Ah hein. bon, tu parles Vous des de... Aces. Ouais. Je vais chercher les Aces. Alors qu'on nous dit, attention, Marie, c'est une entrée sur terre battue pour André Rublev. C'est vrai que j'arrête pas de répéter ça. On va revenir sur Rublev. Mais d'abord, les Aces, attendez. Juste bon, les Aces, là, de les euh, la cote, je trouve, est passée aussi hier. Hein. Ouais. 1,75 ans. Ouais. Et les euh, Aces de... Parce que Kachanov... Euh... Nos parieurs vont sur le moins de 4,5 Aces. Moi, je partirais euh, plus, plus. plus. Plus de, de 4,5. Plus, ouais, plus de 4,5, hein, 75. Ouais, ouais. Ça, je pense que ça va passer. Oh bah tiens. <laughs> je crois que je vais m'amuser, moi, avec ça. Alors, Monte Carlo, on continue avec Rublev. Donc, Rublev, on disait, oui, oui, ça va être sa première sur terre face à Mounard. Mais comme je vous disais, moi, je partage un peu la vie des garçons. Mounard, euh, non. je ne pense pas qu'il ait les clés pour s'offrir, même si il n'a plus joué sur terre là. 4,90, non, non, c'est ça. Me... Non, mais Rublev, qui Non, non ben, mais je suis d'accord avec vous. Hein, il, est finali... deux... il est finaliste 2021. en 2021. Ouais. Hein, enfin, est... Oh, bien évidemment. Non, quoi. mais perdre un 7, là, j'imagine pas qu'il voulait la victoire de, de Mounard. Mais... Le petit 7 perdu, tu sais, histoire de se remettre dedans. Non, mais, moi pas je pas, mais, mais là, non. pas un 19. Là, euh, pas chercher euh, le, non plus. le truc trop compliqué. Et contrairement peut-être à, à Daniel Medvedev, lui, il aime bien hein, la, la terre battue. Ça le dérange absolument pas. Donc, Ouais, euh, oui, c'est pour ça. Euh, il a déjà gagné en Oui, c'est pour ça. Puis... Non, non, non. Et puis, je pense qu'il va prendre de vitesse, Mounir. On va parler maintenant du jeune Italien. Luca Nardi, 19 ans, qualifié, qui a hérité du local invité. Vachereau, 350e, mondial, premier duel, évidemment. Tu le connais, Juju Vachereau un tout petit peu, je l'ai vu jouer une ou deux fois, pas plus. Il joue pas mal, hein, il fait son petit chemin de. Son petit. Mais, euh... Regarde la cote de Nardi, 1,27. Face à ouais, Vachereau, non, Vachereau, mais moi, je... non, non, je pars sur euh, Nardi. Nardi, en plus, il sort des qualifs. C'est un Italien qui est quand même une bonne référence. 19 même... hein. il ans. Il a, il a sa, sa wildcard euh, Vachereau, mais il est assez loin au classement. Je... Nardi. Les 380, Vachereau. Ah. Et Benoît Mélin Alors, 350, là... pardon. Eh bien, écoute, à, à force de les avoir eus quasiment toute la famille des Monégasques sur ah le tour oui. des princes euh, en première rotation à Monte Carlo, j'avoue qu'effectivement il y en a qui sont un peu stressés au début, je voilà, ils n'arrivaient pas, les mecs, ils avaient l'impression qu'ils étaient un peu des voleurs, tu vois, d'avoir la wild card, de jouer un Masters Mill. Mais petit à petit quand même, c'est pas non plus une grosse brèle, hein, Valentin Vacheron, hein. c'est le, le meilleur. Euh, pas dit ça. Non 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 non, non parce que pour les gens. Là, j'imagine, vous qui nous regardez. Non, mais c'est le premier Valentin tour. Le... Vacheron, vous dites, mais qu'est-ce que c'est -ce, Non, mais c'est le premier tour le plus sympa à avoir, quand même. Pour bah, Nardi, il est bien content de retrouver. Ah, bah, euh, je ne euh, sais pas euh, du tout. Avec sais... ah, Nardi, euh, tu te euh, qualifies ouais. Tu préfères jouer euh, Vacheron que Zveref euh, Je sais. Lucas Nardi, je pense qu'il arrive à 19 balais en passant euh, Constant Lestienne, auteur. Je vous rappelle qu'il est mené 5 jeux 1 dans le 3 set. Hein. Euh, Lucas Nardi, il est là. Ah ouais. euh, le Oscar, il a fait n'importe quoi! C'est pas Lucanardi qui, qui a soulevé la, la montagne. Hein. Et Popirini était mené un 7-5-2, ça peut empêcher de gagner ici, hier. Hein, contre... Oui, mais, mais moi, j'avoue que le Nardi contre Valentin Vachereau, je vous dis pas que Vachereau va gagner, mais je vous dis que le Vachereau, il peut très bien gagner un 7. Alors là, pff, le mec. Euh... Le 7 de Vachereau, je vais te chercher ouais, ça. Lucas Nardi, être... Et Luc Anardi, il a 19 ans, il est 160e mondial, c'est très bien, il est en pleine progression, mais ça, ça, ça avance pas vite non plus, quoi. Il a besoin aussi. Et 19 là, ans Benoît eh oui je sais bah, à 19 ans il y a des vite. mecs qui sont numéro 1 mon ouais, ouais, je suis d'accord donc après c'est toujours la même chose c'est de te dire comment il aborde ce match mentalement est-ce qu'il arrive en se disant putain j'ai pas le droit de perdre contre Valentin Vacherot? Parce que qui là parce que as envie de gagner. Il va y avoir des Italiens. Hein. Bah, c'est pour ça, que le public sera de quel côté bah, À la ah. limite, plus du côté de Nardi oh. <laughs> C'est possible. Malheureusement. Euh, bon, on va aujourd'hui aussi, c'est quand même le C'est un coup. De hein. toute façon, Valentin Vachereau, c'est un coup à faire dans un combo ou dans un, le un 7, truc. Le ça. 7, hein, 84 de Vachereau pour Benoît Mélin. Aujourd'hui, c'est aussi le grand retour à la compétition de Novak Djokovic. Quelle entrée en matière pour le Serbe face au surprenant russe issu des qualifs, Gakov, évidemment, une grande première. Alors, comment on aborde une première contre Novak Djokovic. Bah t'as surtout pas envie de prendre une dodo, non Alors euh, je vais même pas de vous base. mettre 1-0-1 la cote de... de Novak. Le 2-7-0 Novak. Comment aller sur autre chose Le nombre de jeux de Gakoff. Vous voulez qu'on aille voir le nombre de jeux de Gakoff Moi je, je pars sur 2-7-0. Euh... Oui oui mais bon même ça c'est à 1-0-6. Après on a vu passer tu vois des des ouais il avait perdu sur Vesely mais c'est pas du tout le même style de jeu. Vesely c'est beaucoup plus gros serveur c'est. Non, non, moi je... Et gaucher Ah oui, et Gakoff et gaucher non, non, Regarde, là, nombre de justement. jeux. Franchement, le meilleur truc à faire... Le nombre de jeux de Gakoff. Gakoff et gaucher. Vous imaginez quoi Quoi Le nombre de jeux de Gakoff. Combien de jeux 7, 5, 6, 3, 7, 5, 6, 2, 1, 7. Y Plus, y de 4, Plus de 4,5 Plus 4,5 Ouais. Elle a combien la cote 4... 1,35 1,35. Et quoi si tu montes un peu ah, Tu veux monter encore un peu ouais, Un petit peu. Il va si avoir ça fait, une cote ça ça intéressant. intéressante, 1,35. Oui, oui, mais est bon, est-ce que... Le plus de 5,5 à 1,72. Euh, ah. ouais. si. Moi, je, moi je, alors, tu vois, 3 et 3, ça passe. La cote de victoire Djokovic n'est pas intéressante. 3 je et pars, 3, je, ça ouais, passe. Je pars euh, 1,72. Ouais. Parce Donc. que ça ne va pas non plus. Y a pas, je ne vois pas Djoko Lui marcher 1 et dessus 1, 1, 1, 1. Non. 3 et 3, c'est pas mal. C'est un bon petit score. Moi, ouais. je pars à 1,72 sur cette cote-là. Même pas la victoire de Djokovic. Sur le nombre ouais, de victoires. Oui, la marier. victoire de Djokovic, ça ne sert à rien. C'est loin, Qu'est-ce qui te fait hésiter Joueur qui ne connaît pas, faut il faut qu'il se mette un peu en place. Ouais, alors que l'autre est limite, chaud. Oui, oui, oui. Limite oui. un 3-3, 4-3, 4-4, hop, tu vois. mais le Gagof, non, mais imaginez le, le, le pauvre gars. Ah, bah oui, c'est ça. Le pauvre, il est, il, il non, est super est content, mais, mais il va rentrer sur ce coup araigné 3. Pouf. Autant vous dire que ça va être quand même très compliqué. Bah, il va y avoir du monde, certainement. Tout le monde veut voir Djokovic parce que bah, on le Ça voit fait peu. longtemps. Euh, le mec arrive et il est très humble, un petit peu à l'image de tous ceux qui commencent la terre battue et qui sont logiquement les mecs qui doivent gagner, comme un Rafa Nadal qui te dit ⁇ Oh, calmez-vous les loulous, c'est un premier match, c'est un retour sur la compète, c'est un retour sur la terre battue contre un mec que je ne connais pas, j'ai pas de repère, l'autre il va, il va être comme un dingue ⁇ s'il joue chaleur, il peut facile mettre euh, voilà, 3, 4, 5 jeux bah premier set. Et après, peut-être que Djoko. Goco... Mais moi, encore une fois, Djoko, Monte-Carlo, dans l'absolu, c'est hein. chez lui, OK, il a envie de gagner, bien sûr qu'il veut gagner. Il habite à côté. Il habite à côté. Il oui, est vraiment très à, à côté. À, côté. Et à, côté et à pied, il doit mettre 10 minutes. Mais dans l'absolu, Monte-Carlo, il n'en a rien à carrer. Quoi. Lui, sa carrière, c'est pas Monte-Carlo, hein, c'est Roland Garros. Donc il lui faut des matchs, c'est sûr, mais je, je me dis que le gars, il va pas rentrer là-dedans euh, en étant à la fête foraine. quoi. Et bien bah, plus de 5,5 jeux pour Gakoff. on est bon. Ouais, mais. 1,72 c'est déjà très bon. C'est une belle cote. Ouais. c'est une très belle. Sur un match comme ça, ouais, 3 et 3, et 3, et 3 c'est faisable. Moi je me dis, est-ce que ce mec-là. Pour, vraiment, hein, pour, déconner, pas, pas, pour déconner, pour pousser le bouchon plus loin, est-ce que ce mec-là peut pas amener Djokovic ouais. sur un tie-break dans le premier pas set pas, Tu vois, un truc comme ça. Parce que moi, Djokovic sur terre battue, euh, à un moment, tu te dis, je ne parle pas d'après, pas hein. bah, Madrid, Rome, quand il refait son calendrier en fonction de ses résultats à Monte Carlo. Romain nous demande l'altitude de Monte Carlo. Enfin, ben demande le... à Juju. Excellent, excellent. <laughs> Alors les cours sont à peu près à... à 50 mètres. Ouais, je dirais 57 pour être très précis. Ouais, 57 mètres. <laughs> euh, attends. Au niveau de la le terre. central. Le central est à assez... Ah parce que les autres ils sont un ouais, peu ouais, plus bas. Ouais. Ouais. Ah ouais, mais ce... non, le central c'est le plus bas. Ah oui. Ah oui. Ouais. Non, je, et puis il y a les cours d'entraînement qui sont encore un peu plus. Hauts. Et ben voilà, ceux-là sont oui. plus hauts. Alors que Hugo Humbert, sert pour le match, grande première sur terre entre Evans et Ivashka, sorti des qualifs. Il n'est pas forcément simple à analyser cette. Djokovic, plus de 4,5 et demi aces à 1,75. Alors là, on peut même aller plus loin. Ah ouais. Non. Ça, on n'a pas fait non. les aces. Les aces de Djoko Non non non, n'y allez pas ça sur le central. Ah non non. Mais non, il non, va l'ouvrir de partout. Non, dans non, la diagonale non, des non, égalités. Non, non. Il est gaucher. Il est gaucher. Il est gaucher. C'est Djoko, plus de 4,5, ouais. Djoko qui va faire 5 ice Oui mais Bien les, sûr Tu parles de gaucher, il est droitier Djoko Non, mais il non. va servir gaucher dans <laughs> la diagonale des égalités, ouais. il va servir sur, sur, non, sur non, non, le... Non, Julian non, non Julien n'y va pas Faites pas cette erreur Il, sert sur il vous le le dit des conneries, oh, il vous dit des conneries, mais... Ah bah, hey. <laughs> non, non, attends... Ah hey. 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 oh là là, il y a le resto en jeu là. Bon, les amis, Evan Sivachka, parce que c'est pas simple forcément... Hein, le, set, le set de Gakov, j'avoue, je suis désolé, mais à con quoi... Ah ben c'est ton copain ça! Ah, Louboumbashi! Ah Bah j'avoue, je me dis qu'un. Alors non, parce que le tie-break il le subtilise sur McDonald's. Benoît! Mais le tie-break, je dis pas qu'il le gagne, mais le tie-break du premier set. Oula, ils, ils ont, on perd Benoît là, je crois. Et bah il veut pas aller sur Evans Ivachka. Evans qui s'est remis à l'endroit à Marrakech. Mais Evans Ivachka, j'en sais rien. Bah voilà, c'est pour ça qu'il traînait Dani Mais oui, Dani à deux. Ah 2,25 euh bah, bah alors, oui, là, je oui. fais tous les jours, sur Ivashka, il sort des califs. Hein. Non, non, je vais sur Dani. Dani, Dani, Dani. Il s'est remis à l'endroit qu'à Marrakech, ton Dani. Hein. Ouais, mais sur Terre, son slice. Ivashka, qui est un joueur qui aime jouer en cadence, il va lui casser le rythme, il va trouver des angles, il va. Non, non. Je ou le 7 le de Dan Evans, pour être un peu plus soft. Pourquoi pas bah, Parce que le set doit être à 1,40 ou 1,30, quelque chose comme ça, si la cote est à 2,25 en tant que vainqueur. 1,40 peut-être 1,40, ouais. Voilà. Coupille. Bah ouais, peut-être. Allez, pour assurer. Mais perso, je pars sur. Euh, le 7 des 25, là. La victoire de Danny Hans. holes oh, de débris. Ouais, ça se passe pas très bien attends, pour Hugo Imbert là, qui attends, servait attends, pour le match. Attends, 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 attends. Ah merde, il a servi pour le match Bah ouais. Et non Bah, il y a... 0,40. Ivashka, il était où la semaine dernière le... Ivashka, ça va mieux, lui, depuis, euh, depuis Indian, Miami ou Indian West, je ne sais plus. Mais Mais non, non, moi je pars, ouais. Au minimum sur le 7 de, de Danny, voir la victoire. Parce que j'avoue, moi, que. Attends, la victoire d'Ivashka contre Taro Daniel, quasiment trois heures, au deuxième tour des qualifs. Il était pas mal celui-là, j'ai vu un peu. Euh... Ah, J'en sais rien. Daniel Evans, il va le travailler au corps, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais bon, les petits, les petits jabs, là, tchit, 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 comme ça... Je ne touche pas à ça. Il bon, y en a un qui doit absolument retrouver des couleurs et on espère vraiment qu'il va vite retrouver des couleurs, non, bah, Lorenzo Mussetti. Tu peux le faire, le, les commons euh, de Evans t'as un over sur les commons de Evans non, parce que pas ça c'est très très bon ouais. Romain Duban Romain Durand et <laughs> 15,5 commons dans le match et tu gagnes c'est des commons ça c'est vrai qu'il te les sort Moussetti on va en parler le jeune italien qui n'a pas hérité d'un premier tour facile il a fondé qui est chaleur oh, hein, qui est finaliste à Estoril première confrontation sur terre alors nos parieurs vont aller faire confiance à Lorenzo Moussetti je dis attention je dis vraiment oui, attention il est face à Katsmanovic. Il est en troisième, quatrième ligne. Ouais. ligne. Euh, 1,98 Katsmanovic, Mousseti 1,82. Qui croit à Lorenzo Mousseti Dites-nous dans le chat, dites-nous sur le plateau. J'aimerais parle... tellement qu'il revienne. Moi, je, parle, je partirais plus sur le nombre de jeux. Parce que je. Match peut-être de... plutôt accroché. Match accroché. Mais Mousseti, pas sûr. Des breaks de Sonigo, 5-5. En pire, avec les Italiens dans le public. Ça va être la folie. Bah, il y a même plus d'Italiens que de Français. Hein. Ah, bah oui, oui, bah c'est euh, toujours non. le cas. Plus de 21-5. Ouais, je partirais sur un match plutôt accroché. Parce que Moussetti, c'est restant 1, il gagne pas. Bah non, il gagne pas. Non. Et tu, et tu, tu, peux, tu veux que je te dise. Si... T'arrives à identifier le problème Moussetti Moi, je pense qu'il s'est peut-être un peu vu trop beau. Tout le monde dit ça. Ouais, à un, un moment, moment donné, un il peu... est redescendu depuis non, là. Non, mais un peu moins entraîné, un peu moins. C'est un Italien, il ne faut pas oublier que les Italiens, c'est particulier. Hein. Alors, tout dépend si tu italien du nord ou du sud. Pas <laughs> cliché, cliché. On va se faire défoncer. On va se faire défoncer. J'ai joué avec oui, des potes joué. italiens. L'état d'esprit italien, siner et napolitain, c'est pas du tout le même. Hein. C'est sûr. Donc, euh, mais moi, je pense qu'il y a eu un peu l'appel des sirènes. Il s'est un petit peu reposé. Et tu regardes tous ces matchs. Je peux même te dire le score exact du match. Tu va faire 6-4, 6-4, Kekmanovic. 6-4. Donc, victoire de Kekmanovic pour Juju. Hein, et on n'est pas, pas dans les 21-5. Alors déjà... Tu regardes tous ces derniers matchs mais Sincèrement, toutes ces défaites depuis le début de saison, ouais. c'est 6 4 4 Alors déjà, on est en Italie. Il n'y a pas à chier, on est en Italie. Hein. Oh, est chiffre, est en Italie. Euh, je vous rappelle que quand Mousseti joue en Italie, c'est emmerdant. Il est motivé comme un dingue. Euh, J'avoue que son tennis, moi... Alors, peut-être le manque d'entraînement, mais je, je trouve que son jeu est très, très beau, mais ah bah oui. il, est, il est simple. Sa balle, elle est pas dangereuse, elle est pure, elle est franche. Il n'y a rien de sournois dans le jeu de Mousseti. C'est très, très beau, mais. Oh, il est créatif. Quand même. Ah, ben oui, mais créatif, ça ne suffit pas. C'est bien beau d'être si créatif. Mal, hein, mais à un moment, la balle, il faut qu'elle fasse mal. quoi. Et là, il fait pas mal. Donc, c'est très beau, c'est sublime. Mais jusqu'à quel niveau Pour moi, pour l'instant, il ne vaut pas du tout son classement. Tu vois, c'est un mec qui est top 50, oui. Mais top 20, non. En revanche, il va jouer là contre un Kekmanovic qui a fait une ouais, semaine de chaleur, dingue. Ouais, ouais. La semaine dernière, où il fait finale en simple, finale en double. Il perd les deux. Quand tu es là en train de te voir le dimanche matin, oh les gars, on va se faire les deux trophées, et qu'à la fin le dimanche soir, tu prends ton avion, oh merde, putain, j'ai rien gagné du tout, tu es peut-être un peu fatigué, et tu arrives là, tu vas avoir toute l'Italie derrière toi qui va t'écraser la tronche, parce que bien sûr que moussetti autant te dire qu'ils sont tous en, en moison devant lui. Donc je, 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 je me dis que pas du tout ton 6 4 6 4 avec j'y crois pas du tout. En revanche, je verrais bien l'inverse moi. Je verrais bien un 6 4 6 4 Moussetti. À vous de faire vos jeux évidemment, vous faites ce que vous voulez euh, les amis. Bonzi à lui rendez-vous avec le double tenant du titre Stefano Tsitsipas. Peut-il créer l'exploit Ils se sont joués que sur gazon. Bonzi match très costaud contre Zapata Miralles et là c'est un autre morceau quand même. Nos parieurs vont faire confiance aux Grecs. Stefano Tsitsipas à un 16. Alors le set de Bonzi, j'imagine que vous avez tous envie d'y croire. Juju, toi qui étais un peu euh, sceptique, sur ouais, ben bah moi tu sais ce que, que, que je vais faire, je vais faire quelque chose un peu de, voilà, je vais assurer. De 15, le set de monsieur. Je vais déjà parier en direct. Parce que tu veux voir l'épaule. Voilà, je veux voir comment gère. On peut dit que ça va. C'est ce qu'il dit, mais en attendant à Miami, il disait qu'il allait bien. Pour dire non non non. Mais si slice énormément. Est il a, a dit qu'il se préparait pour la terre. Qu'il avait été forcé de jouer Indian West et qu'il voilà, se préparait il, pour la terre. Es pas forcé, si t'es blessé, t'es blessé, tu joues pas, puis voilà. Non, non, moi je, je veux voir, je veux parier en direct, mais si, je partirai comme sur une victoire de de sipass Et peut-être pas le set de... de Même pas le set de... Il ne faut pas oublier qu'il a toujours bien joué, c'est un peu son tournoi sur Terre à à sipass Non, non, s'il est bien, je pense qu'il qu a besoin pour retrouver confiance, il va être hyper concentré, hyper appliqué. Effectivement, mm -hmm. euh, Benjamin qui fait un, Voilà, qui fait son tournoi, qui sort, des, qui sort pas des cailloux, pardon, qui base à Amiralet, non, non. Mais je pense qu'il va être très très sérieux t passe Donc je partirai comme sur t passe, victoire. Benoît Et peut-être même en deux sets. Réveillez-vous. Premier set accroché, deuxième set plus facile. Je ne vais pas sur la victoire de Benjamin, j'ai quand même un doute. Mais le set, j'avoue que Titi Pass, il n'a même pas le droit de perdre. Ce... Enfin, il... ah ben, Pourtant, j'aime pas le dire ça. Et il n'a pas le droit de le perdre. Et Il a été très bon en double avec son frère hier, nous dit JP. Mais Benjamin, je trouve. Que, vous vous souvenez qu'il n'a pas pu jouer hein, pendant de nombreuses semaines avec ce, ce, cette merde à l'adducteur. La, oui. Donc là, il revient à la compète. Donc il est prêt. Il a fait quand même un super match contre Zapata c'est Vraiment. Hein, parce que l'autre lui envoyait des, 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 des troncs liftés là, dans tous les sens et ping ping. Il a fait des amortis, il a fait des volets, il a très bien servi. Enfin, vraiment, tu sens que le mec, là, putain, le kiffe, je rejoue au tennis, et il aime bien la terre. Benjamin, il le dit sans arrêt. OK, d'accord, on me dit que tu t'es plus dur, dur, indoor. Mais il me dit, moi, j'adore la terre battue, quoi. Et tu te dis que tu vas jouer Tsitsipas. Je veux dire que Tsitsipas, c'est pas comme si tu jouais Nadal à son époque. Même s'il est double vainqueur... T'as pas peur de Titi Pass. Et comme l'a dit Bonzi, j'ai perdu deux fois contre lui, deux fois sur gazon. Oui. Je... oui, mais tu sais comment le mec joue. Alors, bien évidemment, ça va pas te servir dans l'absolu avec le changement de surface, mais tu vois des petits détails. Tu vois comment le mec sert sur des moments de pression. Tu vois comment le mec. Est-ce que le mec a tendance à jouer comme ça, son revers, machin Pourquoi il me fait son petit slice à ce moment-là Machin et compagnie. Si jamais Titi Pass donne trop de temps à Bonzi, avec son petit slice de revers de merde, là, parce que je. Moi, j'ai l'impression qu'il ne fait que des slices depuis trois mois. Donc, si jamais il s'amuse à faire ça, ça peut être chaud, son histoire. En revanche, s'il arrive à bien bomber le Titi passe qu'on connaît, qui logiquement est un jouable sur Terre, en tout cas contre ces joueurs-là. C'est pour ça que moi, je miserais en direct à 2-1 ou 3-0 au premier. Mais moi, je me suis amusé sur mes combos. Moi, j'ai mis le 7 de Bonzi. Moi, je vois, pour te dire, dans cette partie-là, Titi passe passé tu Tissi passes et victoire de. Je verrai à la limite en quart Jarry Mais bon, ouais. n'y est pas. Encore. Alors, la dame fait attention avec Jarry parce qu'il <laughs> nous est arrivé des mésaventures. Euh, on va terminer avec le surprenant Jack Draper face à Urkac, tête de série 12. Urkac qui a eu un premier tour très compliqué contre Jarry, 3h20 de match, 3 tie breaks. Draper à 2.25, Urkac à 1.62. Alors, est-ce qu'il peut une nouvelle fois nous étonner, Jack Draper Moi, je pense que qu'Orkac, il préfère 10 fois plus jouer Draper. Jiré ouais. c'est sa surface et il s'en sort il a fait son double aussi hier donc bah bon physiquement voilà mais il préfère jouer dra Draper va avoir une balle saine même s'il est gaucher il va essayer de prendre tôt comme il a fait contre, contre, contre Baez de prendre tôt de créer du jeu et lui ça va être, on va se rapprocher plus d'un style de jeu de, de dur que de terre battue donc je me fais moins de sous ou moins de, sous, -sous. Oh. Moins de sous, sous moins de soucis pour en cash contre Draper que contre dirait contre, contre donc je partirai sur une victoire de et peut-être que là effectivement au niveau des aces il peut y avoir quelque chose d'intéressant les deux ça peut être intéressant il peut être au global ou Ace de Uber peut-être au global peut-être au global mais là là ce qu'il faut aller chercher c'est le tie break c'est obligatoire c'est Hubert Uber ne fait que des tie breaks ces derniers temps je suis d'accord mais c'est pas des un quatre-vingt-dix-huit le tie break au cours du match Thénois Mélina un quatre-vingt-dix-huit en plus deux serveurs comme ça c'est-à-dire qu'il va falloir y aller. Hein. Ouais, c'est une jolie cote, ça, Benoît. 1,98. Et s'il fallait donner un vainqueur Je vais aller sur recatch. Même si, effectivement, contre Jerry, il est mené 4 Josin 1 dans le premier set. Joe, euh, Jerry qui sert pour le match dans la deuxième manche. Euh, mais c'est sa surface, je il est oui, bien meilleur oui. sur Terre que sur Dur. Hubert euh... qui sauve la balle de match, là, dans Vincent dans, dans, nous dit, ah, vous ah, sous-estimez toujours le Draper. Ce n'est pas qu'on le sous-estime, c'est qu'on n'a pas de référence sur Terre ah, avec Draper. Non, drapeur. non, là, je ne ah, le sous-estime pas, surtout. C'est que c'est un style de jeu qui va convenir à, à, à Orcache. Ça va être franc, ça va frapper. On va se rapprocher un peu d'un du style, style de jeu de, de Dur. Il fait plutôt beau, la Terre est assez sèche, assez rapide. Donc je pense que ça peut plus plaire à, 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 à Orcache de jouer un Draper. Qui va jouer franc, qui va jouer un jeu d'attaquant. Mais que... il n'a pas rassuré Donc, No Winami récemment C'est un, oui, oui. un, un match dur. On va avoir un match oui. de dur. Alors, quand, quand Draper joue Baez, là tu te rends compte que Baez, le problème c'est que le mec a une pression de dingue sur ses jeux de service. Draper il l'agressait comme si on jouait en indoor. Oui, et puis il fait un très mauvais début de match. En plus. Après pour revenir dedans, et, 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 et puis il n'a pas la puissance. Our catch, c'est un ours quand il envoie la balle. C'est un, un grizzly quoi. Donc le, le, le but du jeu c'est que tous les deux ils vont se, se balancer des pruneaux comme ça. Mais je trouve quand même, il y a un peu plus de terre battue dans le déplacement d'Ourcatsch que comparativement à Draper. C'est pour ça que mais je, je vous mets encore du avec là-dedans. Mais je vois Hubert. à 1,98. On a fait tous les matchs, les amis. On vous rappelle que tous ces matchs sont à regarder sur Winamax je vais dire TV. Mais Les scores. Le mais je vais te dire les scores. Je on ça, un tout peu les refs et tout ça. Euh, alors là, vous êtes devant Humbert. Euh, moi je ne vois rien. 6, 5, euh, même oh, il a eu belle de vrac. Oh il il hein. Ils sont comme des mais... dingues, ils disent tous que Draper va, va, va... La cote du set de Draper, d'accord. La code du set. Donc vous, vous êtes tous sur euh, Draper, les amis Ouais, mais bah, pas moi. Euh, pas alors bon. attendez, je vais vous chercher parce qu'il me demande vite. Le set de Draper est à 1,39, les amis. C'est vrai qu'ils sont tous sur Draper. Bah, mm. on, on, on verra ça, vous verrez ça demain avec euh, On avec en est Romain. où là avec, parce y a, y a... Oui mais j'y vais, deux secondes, je ne peux y pas Il y a qui dit qu'il y a un gros caca-culotte de Hugo non, il avait combien de balles de braque e, J'ai vu juste une. Eh ouais, six, ah, cinq, cinq, de e, mais 6-5, Sonego, 0-15. Mais où, on en est où là Dans le deuxième set. 6-5, Sonego, 0-15. Et je t'en le 7. Mais on en est où Quoi Dans le mais deuxième Deuxième Ils ou troisième Ils ne se comprennent un deuxième. plus. <laughs> Victoire de Lechka face à Rushivori de 7-0. Humbert ah, ah. Sonego, on vient de vous le dire. Euh, Dimitrov Shelton, on est dans le troisième set. Il euh, y a 2-1 pour euh, Dimitrov. Et Zverev public 2-1 pour Zverev dans le troisième. Tu voilà. C'est là où mine de rien, je fais une petite parenthèse. La, la transition Miami Carlo est quand même super compliquée. Parce que je pense que Rusevurik peut bien jouer sur terre battue, mais là il a il a bien joué à Miami. Il a un temps de jeu qui est très très, très écourté et il se bat par les Alors que dans l'absolu, tu te dis Rusevurik peut battre. Un... Oui, mais Tchon. tu sais, c'est toujours pareil. Quand, quand tu veux comparer les deux Masters 1000 les plus pourris hein, dans le calendrier. C'est Monte Carlo et c'est Bercy, ah oui. que Bercy les mecs sont tous rincés et puis bon, il y en a. C'est cool, c'est les deux en France. Bah ouais. bon, <laughs> comme par Et Monte Carlo et Monte Carlo se joue. Il y a dans les années 90 il, y avait, il pouvait y avoir entre 3 et 3, enfin, 3 semaines entre la fin de Miami et le début de Monte Carlo. Enfin, pour ça que euh, il y avait des surprises. Hein. Mais en fait, ils avaient allongé ce temps parce que les Américains ne voulaient pas venir à Monte Carlo. Ça les faisait chier d'aller jouer sur terre battue. Donc euh, plus, plus tard ils venaient, mieux ils se portaient. Donc ils ont rallongé le delta pour dire aux Américains « Allez, venez, voilà, on va vous faire des petits ponts d'or pour venir jouer les merdes avant là. Ouais, » mais c'était surtout à l'époque de Agassi. Bah, Agassi bah, voilà. mais mais là... il n'est quasiment jamais venu. Agassi, il n'est pas venu. Oui, mais c'était le but du jeu, c'était de les faire venir. Et Jim Courir, les Michael Chang, les compagnies et tout ça. Et puis petit à petit, ça s'est réduit, cette parenthèse-là. On est, on, est on est à une semaine, une semaine de battement. Tu ne peux pas faire cette transition. Surtout si tu as bien joué sur tout le mois de mars à Indian Wells et à Miami. Et encore une fois, bah, mais après, attention, c'est toujours les vins qui gagnent. On va voir si toi, tu es capable de faire la transition euh, face mmh, à Julien Varlet. Transition, oui, <laughs> changement de balle. Balle neuve, c'est parti. 7, 5, Match point. Non, mais combien de balles de break il a eu Pourquoi personne ne me répond De break Ou de set il, il, il en a eu personne sur Personne ne me 5. répond sur les balles de break. On dirait Julien Varlet qui ne lit pas mes messages. Oh, oh, oh. Ah, c'est pas beau. Bah alors, et qu'est-ce qu'on essaye comme balle alors Celle que tu veux, aller, je suis dans ta main, je, je suis open moi. N'importe quoi hein. Ah bah vous, tu tires Oh là T'as un problème de ceinture, Marie <laughs> Elle arrête pas de faire Qui engage, Marie euh, Tu engages. Attention, Prêt. balle neuve. Merci, Pascal. Prêt Pascal, Deuxième sponsor officiel. Son oh, elles sont attends, attends, attends. Ouais, elles sont on fait pas une balle d'échauffement Bah non. Bah attends, t'as joué tout à l'heure, toi bah, ouais, ouais. joué, Marie, elle a fait moi, ça. Fait voir. Fais voir. Fais-moi une balle. Non, quel salaud celui-là! Ah Mais oui, c'est sympa! Non, non, elles sont sympas! Allez, c'est parti! Donc c'est toi qui y sers parti! Faute, hein, faute! Aïe, aïe! Le attention! J'ai pris le bar dans la hanche! Rex VRF! Ah. On en courant en même temps des trucs! Putain. Ah putain, j'ai pris la pointe! Ah, on n'a pas, pas parlé de la possible. 1 uh, uh, euh, Abstention 0. de VRF aussi, de Revenir sur Terre. Wow. Oh, ben laisse tomber, il y en a plein. 1-1. Un, un. <laughs> oh, les... oh, ah C'est beau ça. Deux. Attends. Merci Thomas. 5 balles de break dans le Deux. deuxième set ah, 3-1. Pardon. 4-1. Non. Ouh! Il saute, on dirait un eh ben. <laughs> 4-3 Pourquoi tu sautes? Putain! Ouh! Eh, 4-4! Eh, tu eh, tu, tu, tu es d'un truc? Ça va à 2000 alors! Là, il y a du niveau, pas du changement de direction. 4-4. Hein. 4-4. Tu mets 4? 5-4. Non! Oh là là! Victoire! Qui a mené 4 87 cartes! Oh. Je me suis régalée. Franchement, c'était génial. Bravo, les garçons. Heureusement que tu as joué, Julien, parce que franchement. Ça n'aurait pas eu le même effet. Bon, euh, merci à tous d'avoir été avec nous, euh, les amis, sur cette journée monégasque. Il est blessé, putain. J'ai pris la pointe du bar. Aïe, ça fait mal, ça. Il ah, comme Richie, la mal au bas du dos. Oui, ah, tu fait... c'est la roche. Putain encore. Ah, j'avais la droite, mais tout petit, j'ai la gauche. Vache C'était un de Nadal, on nous dit. Ouais, franchement, c'était un super match. Merci les garçons. N'hésitez pas à vous faire plaisir, les amis, en regardant les matchs sur Winamax TV. Nous, on se retrouve alors personnellement jeudi, parce que demain c'est Romain qui me remplace mercredi. Bon, par contre, il joue au popping. Pourquoi oh ben, La semaine passée, la dernière fois, il a joué ça. Et alors, laisse sa chance. Au... Non, mais non. Oh, ça fait, j'ai mis 7-0. Oh, mais du... quelle condescendance J'ai du, oh, du respect pour M. Bedouk, mais non. Ah, mais victoire Dupou On a envie d'avoir du Joe. Victoire euh... Dupou. Pourquoi le Mais parce que tu sautes comme un chauffeur. Un j'ai l'impression que je vais faire rire, putain. Bon, rendez-vous demain, <laughs> les amis. Demain à midi. de tennis. Et sans sans Pascal. Pascal Sans Pascal. Parce que c'est grâce à lui qu'on a pu faire Merci pour les bouboules, Pascal.